Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue avec nous autres. Nous allons essayer de répondre à une question cours qui se suit à l'éthique dans le baccalauréat 2023, qui sont à côté sous 4 points. Moi, je trouve un pile de monde qui va arriver à répondre à la question ça, et moi, je connais deux raisons qui causent ça. Premièrement, pas grand plus de temps, parce qu'il y a 10 questions de cours, okay? Et puis il y a 5 exercices pour faire 3, et en général, l'examen a duré 3 heures de temps, si vous ne pouvez pas arriver à répondre à toutes questions pour vous, mais quand le problème théorique, d'accord, de réflexion que tu n'as pas assez poussé pour arriver à répondre à questions. Eh bien, nous allons essayer de répondre rapidement de répondre à ces questions ça. Eh bien, ici, nous gagnons soit une suite UN, mais cette suite est une suite arithmétique de raison R et de probité terme U0. Regardez. Maintenant, on donne une relation entre U4, U7 plus U13 égale à 54, et on donne un terme U10 égale à 24. Alors, on vous dit quelle est donc la valeur d'accord de U0. Donc, c'est à vous de chercher U0. Eh bien, là, on a une suite arithmétique et qu'on a une relation U4. Regardez, U4 plus U7 plus U13 égale à 54. Eh bien, tenant compte de la définition d'une suite arithmétique, étant donné qu'on a un U0 et R, eh bien, on peut exprimer chaque terme de cette suite-là en fonction de U0 et U4. Et on veut quoi? On veut U0. Et ensuite, on a U10, on va faire pareil et on va pouvoir déterminer correctement U0. Et bien, rapidement, U4, ce sera quoi? Ce sera U0 plus 4R. Tenant compte de cette définition qui dit UN égale à U0 plus NR. Donc, si on a un premier terme U0 et R est la raison, donc UN égale à U0 plus NR. Donc, si c'était U1 le premier terme, on dirait tout simplement UN égale à U1 plus N moins 1R. Maintenant, étant donné que c'est U0 le premier terme, donc c'est U0 plus NR. OK? Eh bien, U4 sera U0 plus 4R. De même, U7 sera U0 plus 7R. De même, U13 sera U0 plus 13R. OK? Et on a aussi U10. U10 sera quoi? Alors, bien entendu, on va remplacer d'abord. Donc, ça va faire ici U0. U0 plus 4R. U0 plus 7R. Et enfin, U0, d'accord, plus 13R. Et tout ceci, ça fait 54. U0 plus U0 plus U0, ça fait quoi? U0. Et puis, 4R plus 7R, 11R plus 13R, ça fait 24R. Et tout ceci, ça fait 54. Donc, j'appelle ça une première équation parce qu'on veut quoi? On veut U0. Mais il faut chercher R. Mais on a une dernière information ici. D'accord? Cette information dit que U10 égale à 24. Eh bien, on fait la même chose. On exprime U10 en fonction de U0 et R. Donc, U10 sera U0, d'accord, plus 10R. Donc, vous êtes d'accord que U10, c'est quoi? C'est 24. Donc, ça veut dire U0 plus 10R égale à 24. Donc, U0, vous êtes d'accord? U0 égale à 24 moins 10R. Eh bien, là, ça fait une deuxième équation. Eh bien, je peux prendre U0, injecter ici, je vais trouver R. Si tu trouves R, je vais injecter ici pour trouver U0. C'est aussi simple que cela. OK? Donc, ici, ça va faire... ici, on a 3 facteurs de U0 qui est égal à 24 moins 10R, OK, et plus 24R. Et tout ceci, ça fait 54. Donc, ça fait ici 3 fois 4, 12. Ça fait 72 ici. Moins 30R plus 24R égale à 54. Donc, ici, ça va faire moins 10. Donc, ici, moins 6R égale 54 de 72, ça fait moins 18. Donc, R égale à 3. Donc, c'est 18 divisé par 6 moins par moins plus, donc ça fait 3. Je trouve R. Si tu trouves R, je vais remplacer R dans 2. Dans 2, on a. OK, ici, on peut dire dans 1, on a. OK, donc ça va faire ici. Et ici, ça fait U0, ce que nous avons besoin. Ça fait 24 moins 10 par 3. Donc, U0 égale à 24 moins 30. Donc, U0 égale à moins 6. Voilà ce que nous devons trouver. Donc, U0 égale à moins 6. Maintenant,
Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, on peut vérifier. Ouais, on peut vérifier. D'accord, que quand j'ai U4 plus U7 plus U13, ça fait 7, on peut vérifier. Comment vérifier? Donc, il suffit de remplacer U0 par sa valeur et R par sa valeur, on va trouver U4, etc. Donc, ici, si on vérifie, U4 sera quoi? U0, c'est moins 6, on vient de trouver. Et R, c'est quoi? C'est 3, ça fait 4 fois 3. Ça va faire 12, donc ça fait 6. D'accord? J'ai U4. Je vais trouver U7. Donc, U7, ça va faire quoi? U7, ça va faire U0, il y a moins 6, plus 7 par 2. D'accord? Voilà, et par 3. Par 3. Donc, ici, ça va faire 15. Et puis, U13, ça fait U0, qui est moins 6, plus 7, et plus 13, 13R, ici, plus 13, 13 par 3. Donc, U13, ça fait ici, moins 6, plus 39. Donc, ça fait 33. Donc, en plaçant ici, regardez, U4, c'est combien? C'est 6, d'accord, plus U7, 15, plus ici 33. Donc tout ceci nous donne exactement 54. 3, 5, 8, 14. Donc ça fait exactement 54, 3 plus 1, 4 plus 1, 54. Et vérifiez. D'accord? Merci beaucoup de suivre.